Je m'appelle Sarah Sevangelo, je suis chypriote et actuellement je travaille dans le secteur public en tant qu'enseignante de français. Je suis devenue professeure de français parce que la langue et la culture française me fascinent. Le fait d'être professeure de français me permet de rester en contact avec ces deux aspects. Le meilleur souvenir de ma carrière, c'était quand mes élèves m'ont dit qu'avec moi, ils ont aimé la langue française et tout ce qu'ils l'entoure. Voilà. Okay. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lors du premier jour dans le secteur public. Alors, je suis entrée en classe, en première classe du collège, et on était en train d'apprendre la question « ça va ?». Tout au long du cours, je posais la question et mes élèves me répondaient en me disant bah, « ça va, ça va, ça va, ça va » plusieurs fois. Et à la fin de ces cours, une de mes élèves s'est rapprochée à moi en me disant « Monsieur, ça va ? Aujourd'hui, on a appris votre prénom. » C'est bien ça. Le mot que j'adore utiliser en français, c'est le mot « patati patata ». C'est là parce que ces mots donnent un ton amusant lors d'une conversation. Il y a deux profs de français qui ont changé ma vie, à qui je voudrais dire un grand merci. La première prof, c'était ma professeure en première classe du collège, Madame Yoria Dimostremus, qui était la première enseignante à me dire bravo. Et grâce à elle, je me suis décidée de devenir prof de français. Puis, la deuxième personne se trouve autour de nous, c'est Madame Doafrini, qui m'a incité à continuer mon parcours universitaire en m'encourageant tout au long de mes études.